Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour parler tout simplement, pendant un gameplay bien évidemment, de l'arrivée du missile téléguidé qui va faire son entrée en scène courant de la semaine ou de la semaine prochaine sur Fortnite Battle Royale. Et surtout les amis, je voulais voir avec vous au cours de cette petite game si jamais on arrive à faire le top 1, déjà premièrement hein, parce que ça fait toujours plaisir de faire des top 1 en vidéo, et deuxièmement ce que on pourrait entre guillemets penser, espérer et envisager pour le nouveau missile téléguidé, voir comment on pourrait l'utiliser, dans quelles circonstances. Je vous propose d'y aller tout de suite si René et Bébert sont disponibles à la régie. C'est bon les gars, on peut lancer la vidéo. C'est parti tout le monde, let's go. Bon, comme d'habitude, on va spawn à Tilted Towers. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler du nouveau lance-missile téléguidé. Et on va essayer de déterminer dans quelle situation, comme on l'avait fait la dernière fois avec les jetpacks, ce petit lance-roquette téléguidé pourra être utile. Alors, sachant qu'on n'a pas de véhicule dans Fortnite, je me demande bien à quoi ça pourrait servir. En attendant, pour le moment, on va déjà se concentrer, en attendant de trouver un lance-roquette ou un lance-grenade, à la recherche, tout simplement, d'armes et d'accessoires qui pourront nous emmener vers le petit top 1 des familles. Monsieur! Aïe, attention! Ouh. Alors, justement, on parlait de lance-grenade tout à l'heure, donne-moi ça, ça pourra nous aider à nous amuser un petit peu. Ça court encore. Vous êtes où, monsieur? Un petit shotgun, viens ici, bébé. Hop. Aïe! Ouh. Viens là. Voilà, bébé. Voilà, viens, tu verras comme on sera bien, viens, donne-moi ton petit diguelino, ça fait plaisir. Et il y a toujours quelqu'un qui se balade là. Attends, on va essayer, il doit être au-dessus là. Oh ah. Allez, ça part. Rendez-vous dans les enfers, biatch. On va partir à la recherche de kits de soins, de potions ou de lance-ro... Oh. Monsieur ? Oh, oh, hé, meurs. T'as les coups de mec, dans la bouche, il a pris le coup de shotgun. Et non. Bon, écoute, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je l'ai mise. On commence sur un 4-4 Tilted Towers. On va réorganiser un petit peu ça et on va se préparer à aller. C'est beaucoup trop calme ici à Tilted Towers. Il se passe un truc de mal ou comment ça se passe? Tiens, merci à le petit sound shield qui fait extrêmement plaisir. Donc là, on a lance-grenade, on a tout. Bon, on va aller... Oh, monsieur! Oh, c'est chaud! Ça brûle! Oh. Allez, ça part. Il y a un kit de soins et j'ai de nouveau plus de shield. What? Il y a une scar! Ça c'est bien, ça. C'est vraiment bien. Tout ça, ça a été ouvert. C'est un peu triste. Et là, vous le voyez, dans ce cas de figure, effectivement, le lance-missile télé... Ah. Il faudra que tu m'expliques ce que tu faisais là-dedans. Est-ce que tu t'attendais vraiment à surprendre quelqu'un ici? Je pense que tu l'as vu, gros. Ça ne marche pas. Hein, c'est un peu compliqué, ce que tu viens de faire ici. Donc... Dans Tilted Towers ici, un lance-missile téléguidé, on en conviendra, ça ne servirait pas à grand chose, je pense. Hein. Je pense qu'on peut éventuellement d'accord là-dessus, que ici ça ne servirait pas à grand chose. Bon, pour le coup, on va continuer notre progression, on va essayer de regarder. Attends, il n'y a pas quelqu'un là. Et en gros, on va commencer à bouger tout doucement là, parce que je pense que la ville est rincée. Peut-être voir un petit peu au-dessus ce qui reste. Et puis c'est tout, on pourra finir par se casser. Il y a un step là-haut, peut-être sur les armes que j'ai laissées. Ouais, c'est ça. Viens voir papa, bébé. Allez, ça part. Ok, bye bye. Du coup, on va continuer, on va se diriger vers le top 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il reste plus que ça, visiblement, à faire. Alors, on va peut-être aller vers le loot, on risquera sûrement de croiser des gens. J'ai quelques constructions, j'ai quelques petits trucs sympas. Ça pourrait effectivement être... Oh! Ah, je vais le troll. Attends. C'est un Bambi, il est tout mignon. Reste là, bébé. Oh, il est passé en dessous. Non. T'es où? Oh non, il s'est couché tout seul. Oh. Bon, bouge pas. Regarde, on va faire un truc sympa. C'est comme ça, mon petit pote. Ça peut arriver, je suis désolé. Là, il y a une grosse fight. C'est en train de s'enculer vraiment sévère. On va aller jouer un petit peu avec les bonhommes juste là-bas. Attends, je vais essayer de m'immiscer entre les deux groupes. Ça va être difficile. Et il y en a un dans la tour, je crois. Attends, bouge pas. On va trop... Attends, j'ai une idée. Regarde.
Voilà. Boum. Du coup, on va pouvoir aller récupérer ceux-là là-haut en espérant que les mecs m'aient pas vu. Bougez pas, on va aller les récupérer. Voilà. Le double ascenseur, le double escalier. Hop, ça part. Très bien. Bombe dia. Les autres qui sont juste là, j'en ai peut-être encore un dans le dos. Oh, restez tranquille les gars, s'il vous plaît. J'ai pas trop envie de me battre là. J'en ai couché un. Ok. Allez, encore un KO. Allez, ça part. Reste plus qu'un. Je crois qu'il est en face de moi sur la colline. Allez, ça... Non, il est plus là. Il est en bas, il est en bas. Non. Ah, touché. Attends, il y en a un qui est en train de sauter sur trampoline là, je crois. Allez, ça part. Ok, nickel. Donc, il y en a un qui s'est tué en tombant là. J'en ai couché 2-3 là. Wouah, 16 kills. C'est un bon top 1 là. Il y a moyen de jouer un petit 20k. Ah, c'est donc ça que tu voulais consommer tout à l'heure. Attends, bouge pas, t'inquiète. C'est pas très bien ce que je fais. Je suis complètement à découvert, mais j'ai vraiment pas envie de construire là parce que sinon je suis mort. Ça, c'est une certitude. Et là du coup on va voir un petit peu, je vais pouvoir aller récupérer le tout le loot des bonhommes en bas, aller récupérer le largage et aller récupérer le loot des mecs derrière qui étaient en train de se taper dessus. Ah oh, ça va faire du bien niveau ressources et tout ça. Putain je vais me mettre bien de ouf. Un petit kit de soins, nickel. Faudrait juste une SCAR en gold ou le nouveau shotgun en gold, ça me ferait plaisir. Là le missile téléguidé, à ce moment là il aurait pu m'être utile, pourquoi? Pour tout simplement taper sur les constructions je pense. Enfin je sais pas exactement dans quelle mesure... Enfin si, je pense que ça pourrait être un outil de troll assez incroyable. Mais en gros, je pense que c'est surtout fait pour cibler des constructions à longue distance. Et tu sais, pouvoir les imaginer en mode... Les taper derrière la construction. Déjà pour moi, en solo versus squad, ça me changera la vie. Ça, c'est une certitude. Hein. Mais ce qui est chiant, c'est que ça va concentrer tous tes efforts sur le téléguidage de ton missile. Et ça, c'est un peu la merde, tu vois. Ah, j'ai pas vu quelqu'un... Non, je crois pas que... Si? Attends, j'hallucine ou quoi? Si, là-bas. Baby. Deux possibilités. Ou il est tout seul, ou il est en escouade. Et c'est le dernier des escouades qui se ramène dans le dos. Donc je vais quand même faire un peu attention. Et il y en a. Waouh, il y en a sur le toit de la maison à loot. Il y en a plein. Je sais pas comment je vais faire ça. Là, honnêtement, si j'arrive à passer cette séquence-là, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait toujours. C'est la petite récompense, surtout quand on se saigne comme ça. Un top 1, 16 kills. Ok, elle... Oh. Wesh, tu fais quoi? Tu t'es cru chez ta mamie ou. Ce que je suis en train de faire, ça pue la merde, mais. Ils sont en fight, ça peut passer. Ils sont en fight, ça peut passer. Je peux surprendre, c'est mon moment de gloire les amis. Je vais utiliser les sapins pour pouvoir monter. Ah, bon, petit misconstruction, mais c'est pas grave, je peux quand même reprendre, je pense. Impec, ok. Je crois qu'il m'a pas vu. Non, non. Oh, nice. Hein? Allez, ça part. Eh ben, White, je t'ai connu plus solide. Tu m'as fait un peu peur, là. Ah, je préfère le lance-roquette plutôt que le lance-boulette. Ok. Et du coup, je vais aller récupérer le loot du deuxième qui s'est cassé la gueule juste en dessous. Non. Je peux peut-être souffler ça en une roquette si je joue bien. Ok. Il y a une deuxième escouade. Ils sont dans la zone. Donc là on va les travailler un petit peu au corps. T'as même cette scar de merde. Attends, il y en a un dans l'eau là. On va aller l'enculer hein. Je n'arrive pas à lui tirer dessus. Ça a été construit. Ok, maintenant il va falloir que je joue mon truc de très loin. Recharge. On va leur foutre ça dans la gueule. Là, missile téléguidé, j'aurais apprécié pour jouer de très très loin. Ça aurait pu être super sympathique. KO, ok. Ah, touché encore un. Allez, ça tombe. Est-ce que j'arrive à tirer entre les deux? Normalement, oui. Je vais aller récupérer le loot, je m'en bats les couilles, je vais récupérer le loot, c'est mon loot. Oh, j'ai eu. J'en ai eu deux. Un lance-roquette en or, encore plus de dégâts.
et une grosse popo, encore plus de shield. Ça, ça va péter, mon gars, ça sent le temps. Il en reste plus qu'un. Elle est où, la bébête? Si, il est là-bas. Touché 3. Oh, il a plus de shield, ça y est. Là, we are good. Il est obligé de bouger, mon pote. Allez, viens, ma petite bichette. Viens, cours pour ta vie. Run for your life. Run for your life, c'est clairement du tir au pigeon ici. Allez, on va se rapprocher un peu, hein. Y a pas de mal à se faire de bien. Regarde, on court, on se rapproche, on met un escalier, hop, toucher un. T'y arriveras pas, gros, tu peux pas sortir de là. C'est terminé. Allez, viens ici. Ça passe. Encore un petit 22 kilo KLM. Un petit 22 kilo KLM. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On termine sur un top 1 avec 22 kills. J'espère que vous aurez apprécié. C'était une belle game, assez dynamique. On a cherché le kill tout le temps. Encore en solo versus squad, je me sens de mieux en mieux sur Fortnite. Et j'ai vraiment l'impression que mes gameplays deviennent de plus en plus agréables à regarder. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner non plus, ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Peace.